Le programme Festival Mami Tino Nakamon. C'est un festival qu'on fait lors, au mois de mars, en hiver, au mois de mars, au début mars, lors la semaine de relâche des étudiants. Ce programme, c'est pour rassembler. Se rassembler toutes les communautés. On les invite tous. Tout le monde est invité à ce festival Mabiti Nonagamo. Le festival, ça se fait à l'école, au gymnase, à l'école Oulamen. On peut accueillir deux personnes. À peu près 500-700 personnes à l'école. C'est un grand gymnase. C'est ciblé pour tout le monde. Les jeunes, autant les aînés, les adultes. Puis ce festival, c'est pour... ça fait des années qu'on fait plus que 20 ans, je crois, qu'ils en font le festival. C'est pour préserver la langue et la culture. Lors de l'ouverture du festival, on invite autant deux ou trois aînés à faire l'ouverture avec leur tambour traditionnel. Puis après ça, on invite d'autres groupes dans d'autres communautés, soit à l'est, soit à l'ouest, ou au nord, Labrador. Même les Inuits, on les invite. C'est pour ce qu'on fait là, ce qu'ils font, c'est pour se réunir. C'est très rare qu'on se réunit dans un endroit, dans une communauté. C'est pour permettre aussi aux les aînés de se réunir, de se rencontrer. Puis les jeunes aussi. On sait que c'est pour promouvoir puis la transmission de la langue et la culture de ce programme-là. Puis, c'est pour aussi... Tout le monde a la fierté de leur langue. De parler puis de chanter. Puis il y a des chanteurs aussi qui parlent en anglais puis en français puis qui parlent en ino. Puis il y a différentes d'autres communautés qu'on les invite, d'autres nations comme les Chikémèques. Ils viennent chez nous puis ils parlent leur langue. C'est pour qu'il y ait, je pourrais dire ça, comme un échange où ils nous montrent, ils nous apprennent comment ils parlent aux autres. Puis on dirait qu'il y a des mots qui se ressemblent. Puis c'est le fun d'entendre d'autres langues aussi. L'éducation autochtone. C'est pour une année, je trouve... Je pense, là, c'est pour permettre aux jeunes, aux les Inuits, d'apprendre la culture. Puis aussi de préserver, promouvoir le patrimoine, ce qu'on a au niveau de la culture.
Puis aussi, l'éducation au niveau de la culture, ça, moi, je trouve que c'est très important. C'est très important de le faire connaître, puis de le faire nourrir, de le faire apprendre à nos jeunes, qu'on a notre culture à nos hommes. Puis, c'est aussi... moi, je trouve c'est vraiment important pour d'apprendre la culture, l'éducation, au niveau de l'éducation aussi, mais aussi, même parce que c'est pas tout le monde qui va à l'école. Mais il y a des décrocheurs, si ils apprennent l'éducation autochtone, ça va permettre d'apprendre l'éducation autochtone. Ça peut servir un moment donné plus tard dans sa vie. Mais nous, ça, là, de ça, là. Puis aussi, qu'il y ait la fierté, l'identité d'autochtone. Puis aussi, et qu'il y ait de respect. Mais au niveau de l'éducation des autochtones, c'est vraiment grand. C'est comme... c'est aussi, mettons, ça, l'éducation autochtone. C'est très important de montrer à nos jeunes c'est quoi la survie dans le bois. C'est quoi notre histoire? On a-tu une histoire pour montrer notre identité? Alors, ça, là, je trouve que c'est vraiment important. D'où on vient? Comment nos grands-mères, nos grands-pères ont survécu avant l'arrivée des Européens? Bon, comment ils ont pu survivre sans l'aide de personne? Ça, c'est ça qu'il faut qu'ils apprennent aux jeunes pour qu'il y ait une aide d'histoire. Donc, de où qui vient leur grand-père et grand-mère. Puis aussi... au niveau de l'éducation aussi, nos jeunes, tous ceux qui ont des problèmes au niveau de toxicomanie, non? L'alcool, la drogue. Quand ils vont dans le bois, là, ils s'en vont se ressourcer là-bas dans le bois, nos chimies. Puis, quand ils viennent, ça leur fait du bien. Parce que, tu vois, un inno, là, quand il se sent pas bien, il a besoin d'aller dans le bois ou de se sentir une approche, là, de la culture. C'est très important. Puis, au niveau santé aussi, pour la santé, au niveau santé mentale aussi, là, ça fait du bien, la culture inuito, nos chimites à tout ça, inuito, c'est très important, puis ça fait du bien. Puis aussi, au niveau de l'éducation, ça, la culture, aussi au niveau de comment je pourrais dire ça en français? La viande de bois, c'est très important. Comment les nourrir, arranger, comment dépecer les animaux, comment faut les
comment je peux dire ça, comment qu'on peut nettoyer ça aussi, là. C'est très important aussi, puis et aussi, en tout cas, c'est vraiment grand, large, mais, la culture, l'éducation de la culture, c'est vraiment large. Puis aussi montrer à nos jeunes comment nos parents ils ont pu voyager en canot, monter dans le bois, comment ils ont pu survivre les quatre saisons, en hiver surtout, le printemps. Ça, c'est très important aussi de montrer aux jeunes. Et au niveau aussi la prononciation des mots en ino. C'est très important aussi. Ce que je vois, ça, ce que je pense, là, c'est de tant maintenir notre culture et notre langue. Qu'on ait qu'il y ait la fierté. Tout le temps qu'on a tout le temps la fierté. Mais puis qu'il y ait aussi notre histoire. C'est très important pour notre identité. Parce qu'en ce moment, ouais, à l'école, ils apprennent l'histoire de les colons et tout ça. Là. Mais ce qui manque, ce serait mon souhait, qu'il y ait de l'histoire des Autochtones là-dedans. Comment ils ont fait pour survivre nos grands-parents, nos Jumites, notre histoire, c'est beaucoup. Il y a des histoires qui sont beaux et pas beaux. Exemple, qui est beau, ça, la survie des Innus avant l'arrivée des colons. Ça, c'est très important. Ça, c'est beau. Ce qui est pas beau, déjà, ce qui s'est passé dans les poissons. Ça, j'aime pas ça. L'histoire. Mais pareil, il faut parler de cette histoire-là. C'est très important aussi. C'est pas pour rien comment je pourrais dire ça, nos enfants en tout cas ça serait bon qu'il y ait l'histoire. Puis aussi 10 prochaines années qu'il y ait plus de la culture. Soyons fiers de notre culture. Faut porter notre culture. Parler notre culture. Parler notre langue. Tout. Puis aussi, encourager nos jeunes. D'apprendre la culture pour plus tard, c'est eux autres, l'avenir de la culture dans 10 prochaines années. C'est très important, la langue et la culture. Puis aussi, OK. Respectons nos aînés pour qu'ils vivent longtemps. Peut-être dans 10 prochaines années. Pour qu'ils nous guident dans la culture et la langue. Respectons-le, puis le gardons, respecter, puis aider nos aînés.
pour qu'ils se sentent bien.